Avec la chaleur, c'est pas facile. Voilà. 45 ans d'incompétence dans les visites guidées. Oui. Ça entretient. Ça entretient. Alors, vous allez voir, c'est un petit test à l'effort qui ne demande pas beaucoup d'effort, mais c'est important car nous allons monter et descendre des escaliers, etc. Et j'aimerais savoir si vous êtes en bonne condition. Alors, vous êtes prêts? Nous allons, pour commencer tout d'abord, exécuter ce qu'on appelle la montée et la descente d'un escalier. Vous êtes prêts? On lève la jambe gauche. Ah oui, oui. On la repose. On lève la jambe droite, on la repose, et droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Ah, ils n'ont pas envie de monter, eux. Maintenant, il existe dans cette maison-là dont on va parler tout à l'heure, un escalier en colimaçon, dit l'escalier en vis. Donc, vous êtes prêts? On va faire exactement le même exercice que précédemment, mais en tournant. Allez, gauche. C'est très très bien. Alors maintenant, je sais que tout le monde est équipé de portables, d'appareils photo, j'en passe et des meilleurs. Eh bien, pour éviter ce qui arrive fréquemment dans toutes les visites, c'est ce que l'on appelle la tendinite de l'index. Pour appuyer sur le déclencheur ou sur le snap. Alors, je vais choisir trois personnes parmi vous, au hasard. Vous, madame, voilà. N'ayez pas peur de faire bouger votre cœur. Mettez-vous là. Émilie, je suis... Yes. Ah, non, non, non. OK. Alors, on a bien à tout. Allez. Voilà. Clotilde? Oui, Boniface. Le futur appareil. Mais ça fait encore des belles photos authentiques que vous adorez sur le site de la maison. Vous constatez que le mien est beaucoup plus gros. The big picture. Je parle de mieux en mieux l'anglais. The big picture. Alors, ce que l'on va faire, c'est pour éviter les clics, hein. Ah, voilà. On passe la cordelette autour du cou. Skip the cordelette autour du cou. The session a mani. On monte l'appareil photo au niveau de son œil. Et on appuie sur le bouton situé sur le côté. Là. Clic. Essayez de ne pas les rater. Alors, ça c'est une chose. À un moment donné, je vais dire, on va dire tous ensemble, cheese, et eux vont dire clic. Ok? Ça nous fait des souvenirs dans l'album photo avec vous. Alors, vous êtes prêts? On monte l'appareil photo au niveau de l'œil directeur. On appuie sur le bouton situé sur la droite de l'appareil et on fait cheese. Non, elle a démarré avant, elle a fait une. Ah, ouais. Ça, c'est un problème avec les Anglais. Ah. Messieurs, les Anglais tirer les premiers, mais ils n'ont pas perdu l'habitude. Hein. Elles tirent la première. Hein. Let's go. Ok. On monte l'appareil photo au niveau de l'œil directeur, on appuie sur le bouton situé sur la droite de l'appareil et on fait clic. Cheese. On monte l'appareil photo au niveau de l'œil directeur, on appuie sur le bouton situé sur la droite de l'appareil et on fait... Cheese. Bien. Very, 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 very good. Thank you very much. Ah non. Petite extase. Ah, oui. Ça. Bien sûr, nous allons voir au cours de cette visite, please, on va voir des choses extraordinaires au cours de cette visite. On va voir de l'architecture, on va savoir l'histoire de Loupian, bien évidemment. Alors, ce que les gens ont souvent l'habitude d'oublier, c'est ce que l'on appelle l'extase. L'extase devant un tableau, devant une sculpture, devant une statue.